Ça doit être mon grand dadé, ça. Oh, Billy. Oh, ben. En fait, tu t'es... Ah, pardon, mais c'est... C'est juste que je m'attendais. Ah, je suis sur le... Ah, ben, t'as pas rigolé, mon grand. Tu t'es vraiment mis en clown. Mais maman est fière de toi, tu sais. Attends, fais voir, je t'assois sur ton petit siège. Mais c'est bien, c'est les copains qui ont choisi ton costume. Oh là là, ça va jusque dans les détails, hein. Mais je pensais pas que ça allait jusque dans les détails. Je me suis dit, ça allait être le petit costume. Ils t'ont fait carrément le petit maquillage, le petit nez rouge. Non, mais c'est beau. C'est beau. Ah, moi, cette année, Billy, je vois les choses en grand. Ah, j'ai envie de faire mieux que l'année dernière. L'année dernière, on n'a pas fêté Halloween. L'année dernière, t'avais un petit costume de citrouille. Et puis, on a fait 2-3 trucs. Là, je me dis que ça peut être pas mal. Puis, regarde tes décorations. Alors, c'est clair, c'est les États-Unis, Billy. C'est pas pareil que nous. C'est pas la même chose, t'en penses quoi? C'est pas mal, quand même. Allez, allez, dis oui cette année, un petit costume de citrouille. On ira chasser du bonbon. Maman va t'acheter des bonbons. Tu sais quoi? Je pense, Billy, que ça te ferait pas de mal. Je pense, c'est mon avis personnel, que tu devrais peut-être aller faire un tour avec les petits copains. Tu devrais faire un petit tour avec les petits copains. De toute façon, vous avez la kermesse de l'école. Hein, Billy? Vous avez la kermesse de l'école. Donc, tu sais quoi? Maman va te faire une petite surprise. Alors, si je te le dis, c'est plutôt une surprise. Donc, en fait, je viens de niquer tout le fil conducteur. Je suis en train de me dire, mais bon, c'est pas grave. Tu me connais, Billy. Tu vas aller à la kermesse, d'accord? Tout va bien se passer. Je te fais confiance, mon petit Billy. Je te fais confiance. Tu me cherches un costume magnifique. Un joli costume, d'accord? Tu me sors un petit costume tout beau, tout bien propre. Et pas le costume de l'année dernière. Je sais que t'avais adoré la citrouille, mais ça pesait sur la tête quand même au bout d'un moment. Oh, puis niveau respiratoire. Je sais que tu l'aimais bien, ce petit clown, hein, Pennywise? Tu flottes, Georgie. Viens avec nous, Georgie. Bon, du coup, je savais que tu l'aimais bien, ce petit clown. Donc, essaye de regarder avec tes amis, hein. Je vais aller voir les mamans au magasin de force à attrape, voir s'il n'y a pas un petit costume pour toi. Tu prends pas beaucoup en taille à chaque fois, donc techniquement, il devrait y avoir des petits costumes de clown, hein. Je pense que ça t'irait bien, un petit costume de clown. Et maman, pendant ce temps-là, eh ben, va tout décorer. Maman va tout décorer, d'accord? Je vais te laisser, attends. Hop, bien. Puis maman va aller vérifier quand même vite fait 2-3 trucs sur Toc Toc. Parce que ça donne des idées, Toc Toc, hein. Oh, ben, je te le dis, Billy, ça donne des idées. Oh, des trucs, mais tiens. Vas-y, je te mets devant la télé. Vas-y, vas-y, regarde. Vas-y. Regarde la télé, profite, Billy. Mais profite. T'es jamais concentré. Je me mets là. Vas-y, regarde la télé. Regarde la télé, je te dis. Voilà. Donc, du coup, Toc Toc, hop. Puis, il y a ces trucs. Il y a des trends. Ils disent ça comme ça, des trends sur Toc Toc. C'est incroyable, Billy. Oh, c'est incroyable. Oh, on devrait faire ça. C'est des petits trucs, tu sais, où ils dansent. Regarde-moi ça. C'est des trucs, en fait, où ils sont en train de danser, littéralement. En fait, c'est des petites chorégraphies d'Halloween. C'est des petits trucs. C'est pas mal. Okay. Ah, je lâche des likes. J'enregistre plein de trucs, Billy. Ça me donne des idées de décoration. Comme ça, je pense que ça va être pas mal. Ensuite, toi, faudrait que tu regardes pour ton petit magasin. Tu me fais la surprise. Tu fais la surprise à maman. Je pense que tu vas trouver un très, très joli costume de clown cette année. Ah, je pense. Je pense. L'année dernière, maman n'a pas pu trop fêter Halloween, tu comprends. Maman avait dû se faire opérer et tout, donc un peu compliqué. Mais cette année, maman est sur le qui-vive. Alors, j'attends de toi un joli petit costume. Moi, je me tâte à m'habiller en mercredi Adams. Bah, je sais, j'ai pas grand-chose à faire, au moins. Bah, c'est ça qui est bien, j'ai les cheveux tout noirs. Tu me fous une robe noire, tu me fous... Bah, ma gueule est grise, ça y est, c'est fait, hein. Ah bah, ça va danser sur le dance floor, je te le dis, Billy. Donc voilà, il faut qu'on organise une soirée d'Halloween, Billy. On va faire une soirée d'Halloween, tu sais quoi? Avec plein d'invités. Ah oui, ah, je te le dis. On va inviter tout l'immeuble. Oh la vache. On va inviter tout l'immeuble, je te le dis, ça va danser, hein. On va se prendre une plante, hein, ça c'est sûr. Eh bah, tu sais quoi? Je suis bête, on ne fera pas l'appartement, on fera la maison. Eh oui, bah, vu qu'on jongle de l'appartement à la maison, je pense que ça sera mieux, Billy. Enfin, ça serait mieux pour tout le monde. Je pense. Et tu sais quoi, Billy, ça me ferait plaisir que tu dises ton premier mot. Je veux pas que tu dises « Maman », je veux pas que tu dises « J'ai faim, à boire ». Moi, j'aimerais que tu dises « Des bonbons, un sort », tu vois. Ah, ça serait incroyable, hein, ton premier mot. Mais bon, tant que ça arrive, celui-là, hein. On aura déjà colonisé Mars. Ah, mon petit Billy. Allez, zou.
C'est pas que je t'aime pas, mon grand, hein, mais tu vas aller rejoindre tes petits copains, hein? Tu vas aller rejoindre les petits copains et maman va commencer à décorer parce que mine de rien, si je dois décorer... Attends, mais je suis en train de me dire c'est colossal. Attends, tu veux que maman elle décore l'intérieur de l'appartement? Et je dois aussi décorer la maison? Hop, tu t'habilles, tu mets ta plus belle tenue, qu'est-ce que tu veux mettre? Allez. Eh ben voilà, je me doutais, la petite tenue d'abeille, eh ben avec ça tu vas t'envoler. Pas cette tenue, hein, elle est toute mignonne, je suis bien d'accord Billy, elle est trop mignonne cette tenue pour Halloween, elle est trop chou. Mais tu la mets souvent la petite tenue d'abeille, du coup ça serait pas une surprise, hein. Comme ça tu changes un petit peu d'accord et puis tes petits copains, je pense qu'ils vont être déguisants un peu tout. Je pense qu'il y en a, ils vont être en zombies, d'autres en clowns. Mettons-toi en clown. D'autres, il va y avoir peut-être aussi des citrouilles, comme l'année dernière. Il va peut-être y avoir des petits fantômes, hein, avec des petits paniers, un bonbon, un sort. C'est mignon, Billy. C'est mignon. Puis c'est ta période préférée de l'année, je le sais bien. Ah ben, je le sais bien. Je le vois dans ton regard. Je le sais, tu n'as pas besoin de me le dire. Hein. Je te connais. Comme si je t'avais fait. Un petit peu le cas d'un côté, mais bon. Allez. Oh là là. Heureusement qu'il y a Martine qui va les récupérer en bas, parce que sinon... On n'aurait jamais été tranquille. Ça me fait une zone à décorer, ça. Oh, mais bon, d'un côté, ça va lui faire plaisir, hein. Mais purée, la zone à décorer, toi. Oh là 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 là. Ah, je vais peut-être demander de l'aide. Là, je suis en train de me dire. Oh, Newt, comment ça va? J'ai besoin d'un coup de main. Ah, tu vas pas me croire. J'aimerais faire une surprise à Billy. Puis d'un côté, ça sera ton premier aussi, hein. Hop. Ça sera ton premier d'un côté aussi. J'aimerais organiser Halloween, tu vois. Faire une décoration. Ça te plairait? J'aimerais faire une décoration d'Halloween. Je pense que ça pourrait être joli. À tout mettre en place. Mais le truc, c'est qu'il me faut un coup de main. Ah là là, un coup de bras mécanique même. Hein, parce que là, la zone est gigantesque, hein, à décorer. Et j'ai vu ça sur Tok Tok. Je sais pas si tu connais. T'en fous. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai vu ça sur Internet. Et donc, je pense que ça peut être sympa et que ça peut faire plaisir à Billy, d'accord? On y va? Allez, en avant la musique. Et deux, un. Allez, encore 350. Oh, je viens mériter une tartine. Hop, quand même. Je me donne. Hein. Ça avance. Oh là 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 là. Une petite toile par ici. Une petite citrouille par là. Des chauves-souris. Je sais plus si on avait mis des chauves-souris l'année dernière. Ça va le faire rigoler, mon grand. Ben voilà. Petit, discret. C'est pas mal comme ça. Je pense que ça va lui plaire. Il va aimer. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais non, t'as pas le droit de regarder, mais qu'il a niqué la surprise, celui-là. Qu'est-ce que tu fais là? Billy! Oh. C'est pas possible, il m'a niqué la surprise. Tu peux pas t'empêcher, mon grand, hein. Ah, tu peux pas t'empêcher. Je t'ai dit d'aller t'acheter un petit costume de clown. À chaque fois, tu me fais le coup, Billy. Mais t'as découvert toute la décoration, Billy. Ah bah oui, mais bon, là, quand même. T'as vu ce que maman a fait? Bon, bah, surprise. Ah bah oui, mais mon grand, là, j'ai installé des trucs. J'ai pas encore fait la deuxième maison. Mais j'ai installé des petits trucs pour te faire plaisir. T'as vu le petit fantôme? Ça, c'est ta petite citrouille de l'année dernière, Billy, tu te rappelles? Allez, mets-la. Ah, mais par contre, je te préviens, après, tu mets ton nouveau costume. Hein. Tu retournes fils avec tes copains, après, tu mets le nouveau costume, Billy. Allez. Pas faire peur comme ça, Billy, quand même, hein. Tu m'as foutu les jetons. Tu t'es cru dans Scream ou comment ça se passe? Fais gaffe, Michael Myers, la roue tourne, hein. Tu survis peut-être dans chaque film, mais à tout moment, chaque fois que je te coupe la chic, je débranche la télé, c'est terminé, hein. Oh, quand même, ça te plaît? Regarde, je sais que t'aimes bien Ghostface. Regarde, dis ce que maman l'a fait. Je sais que t'aimes bien Ghostface. Regarde, tu as foutu le bordel, je dis toi, hein. Regarde, t'aimes bien? Regarde, j'ai une surprise pour toi aussi, mon grand. Regarde. T'es prêt? On n'avait pas mis ça l'année dernière. T'as été sage cette année, du coup maman t'autorise. Des petits bonbons. Ça te fait plaisir? Des petits bonbons, tiens. Ça rend heureux ça, les petits bonbons. Bon, pas trop, hein. Pour les dents, faut faire attention. Tiens, la petite lollipop là. Regarde. Ça fait plaisir, hein? Ah oui, tes petits bonbons. Alors attends. C'est dommage, je vois pas tes petites têtes. Si t'es heureux ou pas. Oh putain. Oh putain, il faut que je t'enlève le costume. Oh, Billy. Oh non, ça a pas recommencé. Oh merde, attends. Y a peut-être un... Oh, ça va. Oh, le bazar. Je me suis dit, tu me refais une allergie.
Ça va, mon grand? Ah ben, je me suis dit, à tout moment, t'es en train de me répéter une allergie. Pourtant, il n'y a pas de chorizo dans cette sucette. Oh, du chocolat. Tiens, Billy. T'es trop mignon. Hé, j'arrête avec les chocolats. Toi, on a dit, tu vas aller voir tes petits copains, d'accord? Tu vas aller voir tout de suite tes petits copains. Et puis, on va s'occuper de trouver un nouveau déguisement, d'accord? Tu fais la surprise à maman. Maman, elle va tout mettre en place. Regarde ça, regarde ça. Regarde comme c'est beau. Regarde comme c'est beau, Billy. Regarde comme maman est fière. T'as vu ce qu'elle a fait? Elle a fait tout plein de décorations et tout. Mais celui-là, ce petit costume, il est périmé hein, pour cette année. Oh, c'est un petit tout beau quand même. T'as même mis ton petit pansement citrouille quand même. Ta petite tenue et tout. Mais oui, t'es beau, mon grand. Mais là, cette année, on change de disque. Hein. Cette année, on change. Allez. Je te laisse rejoindre tes petits copains. Je te remets encore dans l'ascenseur une fois ou c'est bon? Là, c'est chouette, là. Là, ça rend bien. T'aimes bien, Newt? Tu m'en veux pas? Je t'ai mis un petit... Il me restait une chauve-souris. Je te l'ai mis sur la petite trogne. Mais à la base, je voulais... J'avais pensé à un déguisement de fantôme. T'en penses quoi? Ça t'embête pas? Un petit déguisement de fantôme. Bouh! Comme ça, ça fera plaisir à Billy. Je lui dis d'aller chercher un costume avec ses copains. Ils vont tous aller chercher des costumes. J'ai hâte de voir celui de Billy. Il adore Pennywise, tu sais, le clown. Mais oui, oui, ça va. Il adore le clown. Donc aussi, je pense que ça peut être pas mal parce que je me suis dit en Ghostface, imagine que je le confonde pendant 2 minutes. Imagine que je crois que c'est Ghostface. À tout moment, il s'en prend une, hein. Tu te rends compte? Le schmilblick? Laisse tomber. Donc bon, j'ai décoré. Hé, Newt, j'ai mis des petits fantômes partout. Ça va lui faire... Pourquoi tout est... T'es pas obligé de tout reverrouiller, Newt, après, hein. Regarde le grand fantôme comme ça que j'ai mis. Ça rend... J'ai failli me péter la tronche, hein. Mais merci beaucoup, Newt, hein. Oh, t'as géré, hein. T'as géré pour les décos. Il faut qu'on redéverrouille tout, là. On n'a pas le choix, hein. Ça, c'est le seul problème, hein. Va falloir tout déverrouiller, là. Parce que... Voilà, la petite trouille comme ça, c'est pas mal, c'est pas mal, hein. Voilà. Là. Voilà. Le petit Ghostface, là, le petit truc. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ça rend bien, je trouve. Là, comme ça, le petit fantôme. Moi, j'aime bien ce que j'ai fait. Je trouve que c'est joli, Newt. Attends, Newt, t'es où? Attends. On peut tester. On peut pas te mettre... Attends. Un petit costume, un petit truc, là. Ben, on sait jamais, hein, à tout moment. Faut que je te trouve un petit truc en petit fantôme, ça pourrait être sympa. Bon, on déverrouille tout. J'espère que Billy va rentrer pas trop tard quand même. Hein. C'est joli, Newt, quand même, comme ça. Hein. Ça est gai, je trouve. Tu sais que c'est ma période préférée. Hein. Oh, hey, franchement, Newt, je te le dis. Hein. Halloween, c'est ma période préférée. Viens, mon grand. Viens. Ah, c'est l'une de mes périodes préférées. C'est magnifique. On s'ennuie pas. Et Noël aussi, c'est sublime. C'est quoi cette boîte? C'est quoi ça? Oh! Ça fait de la musique. Jolie boîte à musique, dis donc. Oh, ça c'est encore un coup de Billy. Newt, c'est toi qui as fait ça? Oh, sans déconner, je vais pas passer à lui, moi, avec leurs conneries. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Ça doit être Billy. J'arrive! Je souhaite mon grand dadé, ça. Oh, Billy! Oh, ben... En fait... Tu t'es... Ah, pardon, mais c'est... C'est juste que je m'attendais. Ah, je suis sur le... Ah, ben, t'as pas rigolé, mon grand. Tu t'es vraiment mis en clown. Mais maman est fière de toi, tu sais. Attends, fais voir, je t'assois sur ton petit siège. Mais c'est bien, c'est les copains qui ont choisi ton costume. Oh là là, ça va jusque dans les détails, hein. Mais je pensais pas que ça allait jusque dans les détails. Je me suis dit, ça allait être le petit costume. Ils t'ont fait carrément le petit maquillage, le petit nez rouge. T'es beau comme ça, mon grand. Eh ben, tu te sens pas un petit peu Pennywise, Georgie, vous flottez, le ballon. Tu chausses combien, Billy? T'aimerais me foutre le doute, là. T'as grandi des pieds ou quoi? J'ai l'impression que t'as des grands pieds. Après, ça, s'il faut, c'est les chaussures de clown, ça chausse grand. Mais je suis fière de toi, Billy, t'as une bonne bouille, hein. Mais franchement, le... Ah, ils ont oublié de te faire les oreilles. Ah ouais, bah ah ouais, un petit peu aussi sur la tête, on voit un petit peu de temps en temps. Franchement, Billy, alors là, je suis épatée. Attends, tout de suite, donne un petit bonbon. Oh là là, mon grand, mais t'es beau comme un camion, là. Un vrai petit clown, hein. Ça te plaît, mon grand? Ah, mais t'as tout le détail, hein. Ah, t'as le petit dessus, t'as le... Oh la vache, fais voir. On peut rigoler quand même, hein. C'est bien. Attends, t'as pas vu la décoration en bas, mon grand?
Maman va te montrer comment ça a été décoré en bas. Attends, des petits bonbons. Et tu mérites les petits bonbons quand même. Hein. Attends, j'espère que ça va aller. Oh, c'est le bleu. Le bleu, normalement, ça va. T'es beau comme ça, mais tu vois, ça sera ta tenue d'Halloween. Ce sera ta tenue, hein. De toute façon, Halloween est officiellement ouvert. J'annonce, Billy. Hein. On est officiellement en Halloween. Hein. Ça y est. Bah écoute, viens visiter un petit peu la maison avec nous si tu veux. Comme ça, on va te montrer avec Newt un petit peu à quoi ressemble l'autre maison. Je pense que ça va te plaire. T'es beau comme ça. Mais t'es beau, tu me fais flipper. On te démaquillera quand même avant d'aller se coucher. Hein, parce que, sans déconner, si tu te téléportes à côté de moi dans cet état, Billy, à tout moment, je te fous un coup de livre dans la tronche. Hein, parce que je vais oublier que c'est toi. On va aller voir Newt. Tiens, un petit bonbon pour la route. Hop là, allez, c'est parti. Mais c'est quoi ce temps tout pourri, là? D'un seul coup, c'est un film d'horreur? On est passé en mode horreur? Qu'est-ce qui se passe, là? Oh la vache! Oh Billy! Arrête d'embêter Newt! Billy, arrête de l'emmerder! Arrête! T'es chiant, hein? Ça va, Newt? C'est quoi ce temps? Billy, moi je veux pour te montrer la maison, je t'ai pas dit de me foutre le bordel! Donc tu me remets tout ça correctement? Oh, t'es mignon, Newt! Tu me remets tout ça correctement, là? Il y a toute la baraque qui est en... Maman voulait te montrer la décoration, t'étais pas obligé de foutre le bordel comme ça. Maman, elle a tout bien décoré, là tu m'as foutu une ambiance morbide. Alors au moins on est dans la thématique, hein, j'entends bien, mais quand même. Tu vois, il y a un petit fantôme. Un petit fantôme ici, Jenny. Les petites toiles d'araignée, ça, les petites décos, t'inquiète pas, c'est pas des vrais. Hein. T'inquiète pas que s'il y avait Aragog qui vivait dans la baraque, je serais au courant depuis le temps. Le frigo. Oh, j'ai refait quelques courses, donc ça va. Il y a des petits trucs quand même. Là, bah tu vois, enfin, le plus important, c'est ici. C'est ici que j'ai tout mis en grand et tout. Dehors, j'ai mis trois citrouilles qui se battent en duel, hein, franchement. J'ai décoré là, t'aimes bien aussi. T'as vu, regarde, comme c'est beau. Tu aimes? C'est pas mal, hein? Pourquoi t'as fait un petit dessin de bébé qui pleure? T'es pas content, Billy? Ça te plaît pas, tout ça? T'es content, quand même. T'es content de la déco que maman l'a faite? Elle a fait un truc quand même. C'est juste que là, tu m'as tout foutu, tes super pouvoirs partout, et du coup, t'as foutu le bordel. Il n'y avait pas ça, les espèces de tentacules au sol. Hein. Tu peux pas t'empêcher des fois hein, de mettre des trucs un peu bizarres. Hein. Tu m'as dit, les petits copains, ils m'ont dit à l'école, t'as quelque chose à montrer à maman? T'as quelque chose à montrer à maman, à mon grain? Ils m'ont dit, t'avais quelque chose à me montrer. Tu veux peut-être montrer à l'appartement? Bon, bah, Newt, on revient, nous, d'accord? Ça t'embête pas? Ouais. Allez. Je reviens juste après, Newt, d'accord? Y a pas de souci. Allez, viens Billy, on y va. Je peux pas m'en remettre. Excuse-moi, c'est juste que je te vois si peu souvent apprêté que tu vois là, ça me... Mais t'es beau, hein. Mais ça me perturbe, je te jure, tes grandes chaussures avec tes moufles, ton petit ruban et tout, c'est quelque chose, Billy. Hein. Mais t'es beau. Non, mais t'es beau. Allez, maman va faire à manger, prépare ce que tu voulais me montrer, ton petit spectacle ou je sais pas quoi. Et puis on va manger. Ça marche, mon petit Billy? Allez, je te laisse dans ton petit costume de clown, d'accord? Allez, continue de regarder ton petit film et prépare ton petit truc, hein. S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer, ce Billy, je te jure, c'est quelque chose. Il danse, le Boog! Mais c'est qui danse maintenant? Putain, Michael Jackson sort de ce corps! La vache, il danse mieux que moi! Ils apprennent de ces trucs à l'école! Ah ben, je vais devenir folle, cette baraque va me rendre folle. Ça va me rendre folle. Je vais me rincer un petit peu. T'ennuie pas, dis donc.